Parlons processus électoral à présent. Les centres d'enrôlement des électeurs à Boutembo ne désemplissent pas, malgré que l'opération tend vers sa fin dans ces terres. Des longues files d'attente s'observent devant certains centres jusque tard. La lenteur des agents de la CENI et des pannes récurrentes des machines seraient à la base de ce dysfonctionnement. Pour les habitants, cette situation décourage. Selon Rose Kaambu, actrice politique, obtenir une carte d'électeur n'est pas un privilège, mais plutôt un droit du citoyen. D'où la CENI doit impérativement améliorer ses services pour la bonne tenue des élections. Mais au bout des machines, selon les investigations, sont en train de tomber sur la part. On ne doit pas faire, on ne doit pas montrer aux Congolais comme si obtenir la carte, c'est une question spéciale. Mais comme c'est un droit, la CENI devrait faire comme les années passées ou les scrutins passés, afin de faire rapide, de rendre rapide leur service afin que les requérants puissent se sentir à l'aise. Nous encourageons cette détermination dans les chefs des requérants parce que beaucoup passent même 3 jours, 4 jours pour solliciter la carte d'électeur et elle beaucoup persévère. Donc nous encourageons ce comportement, mais nous en appelons vraiment au renfort, si je peux dire comme ça, à terme des machines dans cette zone opérationnelle.